Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage! Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Transport Fever. Alors aujourd'hui on va commencer par regarder ce que j'ai fait en off. Donc en off j'ai rajouté des trains sur la ligne de matériaux de construction là. Parce que il manquait clairement du monde. Donc j'ai mis 5 trains et les trains sont pleins donc c'est cool. L'usine est passée en niveau numéro... on est au niveau 3. Donc c'est plutôt cool. Ça produit bien, les usines, enfin les carrières produisent assez. Enfin celle-là ce serait bien qu'elle produise un petit peu plus quand même, mais l'autre là-bas c'est plein, ça n'arrête pas, donc c'est cool. Et donc aujourd'hui on va continuer notre ligne de voyageurs ici. On va continuer un peu, on va refaire du voyageur et on va aller du côté de Château. Et on va commencer à passer pour aller jusqu'à Poitiers, notre terminus. On va aller à Poitiers, du coup, le terminus de la ligne. Poitiers qui sera une grande gare aussi parce qu'il y aura la première ligne qu'on a fait qui finira aussi. Alors, voie à 120. Ah oui, vu que je viens de recommencer, hop, pas de caténaire. Quand je dis que je viens de recommencer, c'est juste que je... C'est le premier épisode que je tourne de la journée, donc... Hop, alors... Là, il va falloir faire une petite courbe pour éviter l'usine. Là, on va aller tout droit. Et on va voir où est-ce qu'on va mettre la gare. En plus là c'est plutôt joli, on est au bord de l'eau. Il y a l'eau juste là. Alors. À Château, l'idée après c'est d'aller derrière là-bas. Donc. La gare. Ah, on peut se lâcher sur le bord aussi. La gare, on peut la mettre là. En plein centre. Alors, bâtiment. Alors, sans caténaire. Ah, j'ai encore oublié de mettre... l'autre mode. J'ai pas été chargé de mode. Bah, je le ferai pas celle-là. Je réteindrai le jeu et j'irai chercher les modes. En plus, ils sont pas mal ces modes. Les modes que j'ai vus, là, les nouveaux modes que j'ai vus, ils sont pas mal. Alors. Dans l'idée, je verrais bien la gare ici. En diagonale. Bon, ça détruit beaucoup de choses, mais... En plus, des trucs qui ont besoin de matériaux de construction. Ce que je vais leur ramener assez rapidement. Alors. Je vais mettre une route tout de suite. On va essayer de pas détruire plus du coup. Voilà. Ah bah. Mais non, mais pourquoi tu m'as encore détruit? Le jeu, non. Bon, ça va. Vu qu'on va en ramener, je pense qu'il y en aura d'autres qui vont s'en contraire. Pas d'inquiétude. Enfin, pas d'inquiétude. Alors, 120. Clac, on fait une courbe là, et après, vu que la gare elle est là, est-ce que là on peut faire une courbe à 120? Non, 85. C'est pas bon. Donc en fait, je crois qu'il va falloir passer de l'autre côté. En plus, j'en ai 167 millions. Là, ça y est, l'argent rentre facilement.
Allez, nos trains là nous rapportent quand même 7 millions à chaque fois, les trains de matériaux de construction. Avec les deux parcours qu'ils font aussi, c'est pas étonnant. Hop, est-ce que là on peut passer? Non. Là on pourrait. En vrai, je pense que là ici, je vais le desservir par camion parce que je suis en train de me dire que la desserte par train va être compliquée. Ça va être compliqué de refaire un embranchement pour partir par là. Donc, on verra, mais je pense que ça va se faire par camion. Alors, ma gare, elle est en face là-bas, donc c'est parfait. Si je raccorde là direct comme ça. 120, 120, on passe en bordure, ouais c'est bien, ça me va. Donc la deuxième, elle est où? La deuxième voie. Elle est là. Est-ce qu'elle ne me serait pas plantée, par hasard? Non, c'est bon. Par contre, ça veut pas. Alors, où est-ce que ça passe pas? Là, ça passe, ok. Ok, bah c'est juste que j'avais mis trop long. Alors, du coup, ensuite, on va partir d'ici, tout droit. 4 constructions supprimées, mais bon, tant pis. Bon, aujourd'hui, on va finir cette ligne-là, et comme ça, on sera bien. Alors, on va passer là. Par contre, la colline là va être chiante. Je pense que ça va être chiante de la passer, je pense. Ouais, petit tunnel, pourquoi pas. On va mettre lequel comme tunnel? Celui-là? J'aime bien celui-là. Allez, ce tunnel-là, ça me va. On passe à côté d'une mine de charbon. Qu'est-ce qu'on débloque? Ah, notre premier loco électrique. Ah, ça peut changer tout pour certaines lignes. Peut-être pas pour celle-là, mais... Sachant qu'on va pas tout électrifier parce que, bah... Vous savez, dans le futur, ça y est, il y a des locaux... françaises thermiques qui sont très intéressantes. Hashtag 67400... Il y a le petit loco de dépôt aussi, je sais plus comment ça s'appelle. C'est Y1100 je crois. Je connais pas tout le monde des locaux par cœur, donc excusez-moi si je fais une erreur. Je connais ma préférée, la 26000 en électrique. En thermique, j'aime bien les 67 000, donc entre le 67 000 et 67 400. Hein. Surtout la tronche gazon qui m'intéresse. J'aime bien ce passage-là, avec tout proche de la montagne et avec de l'autre côté la mer, quoi. Ça va être super joli. En espérant que les gens l'empruntent, quoi. Hop. Un tunnel. Je crois que de toute façon, on n'a pas trop le choix. Et notre ville de Poitiers est là-bas. Sans qu'après, nous, notre autre ligne, elle viendra... elle aura passé là. Elle aura fait Deauville, ici. Donc, elle arrivera de là. L'idée, ce serait de faire la gare de Poitiers. Plus Poitiers, ça va devenir une grande ville, je pense.
Ça peut être intéressant. Bâtiment. On va faire une gare Terminus. Donc c'est bon, elle est non électrifiée. On va la tourner. Pour l'instant, on va mettre deux voies. Moi, j'arrive de là. Ok. Ouais, bah une gare ici. Si on détruit cette route-là, par exemple, et qu'on met notre gare ici, moi ça me va. Hop. Ok, donc on va venir raccorder la ligne. Alors rail, on va mettre la deuxième voie. Là on n'a qu'une voie pour l'instant. Là, il y a deux voies. Là, il y a deux voies. Où est-ce que j'ai arrêté de mettre la deuxième voie? Elle est là. Ah, ce passage-là, à ras de l'eau, il est trop haut. Proche de la montagne, à ras de l'eau, c'est trop haut. Alors, du coup, on continue. Ici. Ici. Passage dans la forêt avant d'arriver à la gare. Qu'est-ce que ça donne si je raccorde comme ça? Un petit talus, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et arriver comme ça. Ouais, bah ça me va. Allez, hop, vendu. Clac. On met la deuxième voie. Donc après, il faudra voir quand on aura l'autre ligne qui viendra ici. Je pense qu'il y a vraiment moyen que cette ville devienne assez grande. Voilà. On va placer une aiguille ici pour pas mettre au train de passer d'une voie à l'autre. On va mettre une dans l'autre sens aussi. Alors, pourquoi ça veut pas? On va le prendre à partir de là. Non, bah ça veut pas, bah c'est pas grave. De toute façon, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Alors, on va mettre les signaux. Donc, un signal là. Un signal ici. On va mettre un là pour essayer d'être assez serré quand même à l'arrivée. Un là. Un là. Un là. Ah, c'est quand même kiffant les signaux français. Hein. Alors, un de chaque côté de la gare, donc un ici et un ici. C'est quand même génial d'avoir les signaux français. Moi perso, j'adore. Hop, et on va en mettre un. Bah après, on va en mettre un ici. Après, il y a tous les signaux de protection du croisement. Voilà, c'est bon. Donc on va faire les transports en commun dans les villes parce que on va pas lancer un train sans transport en commun. Je crois qu'en plus c'est des assez grandes villes, donc il y a moyen que y ait du monde. Oh, ça a été construit après ça. Mais je crois que ça a été construit après parce que ça y était pas quand je l'ai fait. Du coup, ça construit partout quoi. Je pense que cette ville là ça va être un peu de la folie. Donc en vrai, ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va faire un départ d'ici. Alors, bâtiment, voyageur, départ d'ici. On va faire un passage ici. On va faire un passage devant la gare. Un passage ici. Et
Interminus ici. Nouvelle ligne. Donc départ d'ici, on passe ici, on passe ici, on va ici, on finit ici. Hop, hop. Ok, c'est parfait. Même si ça, après, pour le fret... Ouais, en fait, ce truc-là va plutôt sauter, je pense, assez rapidement pour faire du fret. Mais au pire, on fera une route qui ira tout droit ici, hein. Au pire. Bon, pour l'instant, de toute façon, c'est pas grave. Alors qu'on a fini la guerre, en fait. J'ai pas regardé, mais oui, on a fini la guerre en 1919. C'est cool. C'est fini. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, renommer la voie, donc c'est Château. Château. T'es eu Château. Hop, on va mettre bâtiment ici. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a... pas beau ça. Voilà. Hop, acheter véhicule. Passager. On va en acheter 8. Parce que je pense qu'il y a moyen que... il y ait du monde entre les deux villes là. Hein. Entre ces deux villes-là, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait du monde. Et à Poitiers, par contre, on va faire un tram. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai envie de faire un tram. Alors, rue. Ah oui, alors, c'est ce truc-là qui fait chier. Voilà. Alors, dans l'idée, le tram... Je sais pas d'où le faire partir. Bah de là. Allez. Donc on va faire voyageur. Clac. Électrique. On va tourner. Hop. Clac. C'est parti. Alors on va placer les rails. Alors clac, on part là. On part là, dans l'idée, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On fait ça. On part là. On part là. On fait là. On revient un peu par ici. On fait ça. Et on se finit ici. Alors, on va placer les bâtiments. Bâtiment, clac. Alors. On va se mettre ici. On va mettre un ici. On va en mettre un ici. On va en mettre un devant la gare, bien évidemment. C'est toujours l'objectif. Il y a eu un bug là. Il y a un problème. Rue. Hop là. Voilà. On va en mettre un ici pour le développement. Ah par contre, oui, c'est trop décalé. Bon, c'est pas grave. Faire attention quand on va le placer. Et on va en mettre un ici. Voilà. Donc, nouvelle ligne. Clac, clac. Donc c'est bien ça, c'est ça. On passe sur celui-là. On va là, on va là, on va là, on va là. Clac, clac, clac. On passe sur celui-là. On va là. Et c'est bon. Et donc c'est Poitiers. Donc on va l'appeler T.
TU Poitiers. Clac. Alors T pour tram, TU pour transport urbain et Poitiers. Hop là. On va acheter un dépôt à tram. On va mettre ici. Alors pas bateau, non. Ici, voilà. Non, les dépôts c'est là. Alors, on va le tourner. Clac, on va acheter des trams. Alors, acheter véhicule. On va acheter ceux-là, ils sont bien. Ils sont beaux ceux-là. J'aime bien. Ou ceux-là. Non, ceux-là, ils sont bien. Allez, on va en acheter. Ils coûtent combien par contre? Ils coûtent 200 000. On va en acheter 10. Grande ville, donc on va en acheter 10. Et on va les emmener sur TTU Poitiers. Voilà. On va du coup amener les trains jusque là par contre aussi. Alors que là ça commence déjà à se déplacer même sans la gare, donc c'est cool. Et par contre là on va amener les trains. Et donc là ça devrait être encore mieux. Donc ma ligne de train. Donc, je vais voir les visibles. En train. Hop. On va faire une pause. Nouvelle. Non, pas nouvelle ligne. Alors après la gare de Is-sur-Til. Ajouter une gare. On va passer ici. On va venir ici, terminus. On repasse ici. Et donc en allant vers Poitiers. Donc au passage de Chatou après Poitiers. Avant d'aller à Poitiers plutôt. Tu vas passer ici. Voilà. Et donc la Chatou c'est le 11. Et donc 12 ce sera ça. Ok. Et ben on a notre ligne. On va pouvoir mettre le temps en marche. On va même le mettre en x2 pour voir ce que ça donne. Les gens changent de côté. Ceux qui veulent aller... Hein? Non, justement, pourquoi ils changent de côté? Ils sont bêtes. Mais si vous vouliez aller de l'autre côté, c'est par là-bas qu'il fallait aller. Ils vont tous du côté de Chatou. D'accord. Vous êtes bizarres les gens. C'est bizarre ça, hein? Ça c'est un bug du jeu, c'est sûr. Ils sont où nos premiers trains là? Nos premiers trains de voyageurs. Il est là. Ça c'est un train qui est plein, qui va nous rapporter encore plein de thunes. Il a 16 personnes. Oh, il galère quand même. On va mettre le temps x3. Par contre, on va diminuer. On va mettre en un quart. Voilà. Ah, la mine là, elle produit à fond. Donc ça, c'est cool. Elle produit bien, donc c'est cool. Donc ouais, dans le prochain épisode, on rejoindra la ville de Chatou. On lui mettra des matériaux de construction. Donc à voir, est-ce qu'on va la relier par train? En fait, si on la relie par train, il faut que la ligne reparte comme ça. Ça peut être cohérent si plus tard on a besoin de la mine de charbon. Bah tiens, regarde. Là, si on a besoin de la mine de charbon, juste là. Donc ça, ouais, ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Sauf que là, on a... on a encore du charbon. Ah ouais, on a encore du charbon là. On a encore besoin de charbon là. On a du minerai de fer là. On va voir. À voir comment on fera.
Il a pris 25 personnes, mais je suis sûr qu'il n'y en a pas 25. Je suis sûr qu'ils vont faire un tour de train pour rien. Alors, achat tout. Ouais, ça commence déjà à se remplir bien. 24 vers Poitiers. Ouais, je sens le gros trafic entre les deux là. Je sais pas pourquoi. On va aller voir à Poitiers. Non, Poitiers, c'est calme. 20 personnes pour l'instant. Bon, le temps que ça se mette en place aussi. Hein. Voilà, bon, du coup, 25 minutes de vidéo, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si vous voulez m'aider financièrement, n'hésitez pas à le faire un petit tour sur Utip et Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien et moi ça me rapporte quelques centimes. Ou si vous voulez me faire un don, et ben vous pouvez. Et puis ben nous on va se quitter en arrivant hier de Poitiers, donc on va rester encore un peu ensemble malgré tout. J'ai eu l'idée là tout de suite. On va rester encore un peu ensemble et puis ben, on va se quitter en gare de Poitiers et on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Et ben, du coup je vous laisse la fin du voyage sans ma voix. Et du coup je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde. Ciao.